Camille Lelouch est très active sur Instagram et n'hésite pas à se confier sur son rapport à la maternité. Maman d'une petite Alma, elle a avoué aujourd'hui qu'elle n'était pas prête à se séparer de son enfant et s'est longuement exprimée sur la douleur ressentie loin de sa progéniture. L'actrice a assuré ne plus avoir aucun repère après avoir passé 2 ans exclusivement avec sa fille. Les enfants français ont repris le chemin de l'école et si certains étaient contents de retrouver leurs copains, d'autres l'étaient un peu moins. La rentrée des classes, c'est aussi le moment où les parents qui ont passé tout l'été avec leurs enfants peuvent souffler un peu. Ou pas. Pour certains, ce moment marque un déchirement et l'idée d'être séparé de sa progéniture est parfois difficile à accepter. Lors de l'émission Mariée au premier regard a, par exemple, confié sur son compte Instagram qu'elle n'avait pas pu retenir ses larmes face à sa fille qui s'est accrochée à son cou au moment du départ de l'école. Et elle n'est pas la seule à avoir eu ce sentiment d'arrachement puisque c'est justement le sujet de la dernière vidéo que Camille Lelouch a postée sur son feed Instagram. Maman Poule, l'humoriste s'est d'abord livré en story avant de décider de faire une vidéo. Face caméra, alors qu'elle marchait dans les rues de Paris, la maman d'Alma a déclaré, « J'ai déposé ma fille à la crèche aujourd'hui et je n'ai plus de repères, si est-il très étrange. » Elle a expliqué laisser sa fille Alma de temps en temps pour le travail mais jamais pour le kiff ou peut-être de temps à autre pour un dîner à condition que ce soit sa mère ou sa belle-mère qui la garde. Il faut que je prenne sur moi, je ne sais pas quoi faire, a-t-elle avoué désorientée. Sur la vidéo postée dans son feed, Camille Lelouch ne semblait toujours pas dans son assiette et a expliqué avec l'humour qu'on ne lui connaît avoir compris à quoi servait la journée d'adaptation pour les enfants à la crèche. Selon elle, il ne s'agirait pas que les enfants s'adaptent mais plutôt leurs parents. J'ai capté pourquoi on dit adaptation à la crèche, c'est pas pour les enfants, c'est pour les parents. Point, normalement, donc lundi, mardi, tu la prenais à 13h tu la récupères. Hier, lundi, elle est restée 4 heures parce que madame voulait rester, a-t-elle d'abord ironisé. Camille Lelouch perdu sans sa fille et de continuer, aujourd'hui, je l'ai déposée à 9h30 du matin et je vais la chercher à 16h30 donc elle fait une vraie journée le deuxième jour. Voilà, elle n'a plus besoin de moi. Ma vie n'a plus de sens sans elle. Je suis une âme errante. Manger un couscous, finir avec des cerises, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de sens. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Et toute cette semaine. Désemparée sans sa fille, Camille Lelouch a même plaisanté sur le fait qu'elle ne s'était pas lavée et qu'elle avait préféré mettre son pyjama et fixer le plafond. Toujours aussi taquine, elle a précisé. Hier, c'était l'arrêt de bus pendant 20 minutes, aujourd'hui le plafond. Voilà, il est 15h10, si est-il la première fois que je ne fais rien depuis des semaines. Rien de rien. La chanteuse a conclu en se remémorant les fois où elle s'est moquée de ses copines qui lui confiaient avoir pleuré en déposant leur enfant. Si est-il pleine de regrets qu'elle a fini par reconnaître, bien sûr que tu pleures. Évidemment, tu es effondrée, je l'ai eue pendant 2 ans avec moi mais elle me manque d'une manière. Je ne vais pas la mettre tout le temps, je crois.